Bon matin, il est 6h du matin et moi j'ai été tirée du lit à 5h du matin avec ceci: Get up, stand up for your life. Il a tourné en boucle, à l'instant où je l'ai verbalisé, il m'a tout donné comme information. Vous savez, les informations, on ne vous explique pas. C'est que les informations ne viennent pas au canal. Je canalise, je canalise. C'est très bien, canaliser. J'ai dit toujours, un bon touille. Ah, j'arrive pas à dire ce mot. Touille. Y a des mots que j'arriverai jamais à les prononcer. Un bon. Ah non? Eh ben, j'arrive. J'arrive pas. Bref, get up, stand up. Stand up for your life. Je m'attaque. Puisque à 5h du matin, on m'a levé. Il est 6h. J'ai mis mon fer qui monte en pression parce qu'il a besoin de minimum 30-40 minutes. C'est un fer professionnel, donc il doit monter à 120 degrés. Et j'ai pas mal de choses à exprimer. Toutes les informations que je reçois, ce n'est que de l'énergie. L'énergie égale information. Je me réjouis que on a réussi à mettre à mort l'ancienne matrice, puisqu'elle n'est plus là, avec tout ce qui va avec. Sa foutaise, ses illusions, ses peurs, les doutes, cet enchaînement. Vas-y, que je m'en occupe de ta santé. La mise à mort de certains êtres de manière volontaire. Va travailler et puis tu vas payer sur ton travail. Et sur ton travail, tu vas payer encore sur ton travail. Cette cacophonie, cette injustice dont nous avons tant accumulé. Ceci est parti. Certains d'entre vous n'ont pas saisi que dans la nuit des 14-15 décembre, des choses ont eu lieu. C'est tant mieux parce que ça doit se passer de manière silencieuse, pas trop crier sur les toits, ainsi de suite. Nous y voilà dans le nouveau monde. Oui, il est en train de se mettre en place. Il est en train de se mettre en place et sous peu, nous verrons avec nos yeux physiques les changements. Eh bien, ce portail, il nous est offert en cadeau du Créateur. Oui, un cadeau. Mais il nous est demandé en même temps de se get up, stand up, de rester dans notre verticalité. Beaucoup des êtres penseront: get up, stand up, lève-toi, va manifester dans le rond-point, nanana. Là, il s'agit de sa verticalité. Chaque âme, chaque être il se lève déjà, il se lève pour sa propre mission.
Il y aura une accélération de compréhension. Des êtres vont être là. Merde! Mais depuis 20 ans, je cherche et comme ça, d'un coup. Eh oui. Eh oui. Parce que c'est l'instant divin. Quand le créateur, ce que le créateur veut, le créateur fait, le créateur ouvre. Et le créateur a décidé d'ouvrir ce portail de 21-21, qui est en alignement aussi dans la compréhension humaine et de ce monde. Il y a Saturne. Et il me semble que Neptune, si je ne m'abuse pas. Mais qu'est-ce que tu fais là, petite bête? Vous voyez? Même cette espèce de cohabitation avec tout ce qui est. La conscience s'ouvre avec tout. On va arrêter de courir et à coups d'insecticides, de tuer tout ce qui est vivant. Donc ce portail du 21-21, il va nous charger des nouveaux codes énergétiques. Nouveaux codes énergétiques, mais alors, notre structure physique va évoluer. Elle est en train d'évoluer. J'en ai marre. Je veux plus parler du futur parce que nous sommes là. C'est fini. On s'est calé sur une ligne de temps qui est, voilà, le passé, le futur, voilà, on va se débarrasser, mais alors, et pourquoi? Parce que le futur et le passé, ce sont deux vibrations et deux dimensions qui ont eu pour but de maintenir la peur. Imaginez-vous, on se projette là. Oh là là, demain j'ai une facture. Est-ce que je vais pouvoir la payer? Peur, stress, maladie. Alors que si tu restes dans le présent, tu œuvres et tu cherches la solution, tu focalises ton énergie, là où ton focus va, là l'énergie coule, coule. Alors que. Donc voilà pourquoi on a désintégré l'ancienne matrice. Et ça s'est fait avec des êtres en chair et en os qui ont œuvré d'ici. Parce que le Créateur leur a donné accès. Il n'y a pas beaucoup de véritables êtres qui ont cette capacité, qui se sont incarnés en toute conscience dans des corps physiques. Et tous ces apprentis sorciers-là, hein, médiums évasi, que je te fais un business avec, je te tire les cartes, et ils vous ont toujours poussé vers la projection. Ils vous ont fait du mal. Ils vous ont amené à la confusion. C'est parti avec. Dans le dernier pas tirage, conversation que nous avons eue de cœur à cœur, je vous ai dit tout ce qu'on a admiré, idolâtré. C'est parti avec. C'est parti avec. Et vous vous rappelez que dans notre discussion, je vous ai dit, allons-y dans cette mine et décreusez par nous-mêmes. Et là, nous allons tomber sur une pierre. Voilà cette pierre des laves dont je vous parlais, qu'elle est manche au départ. Et lorsqu'on commence à la polir, à la dépoussiérer, elle devient un diamant. Voilà votre diamant. Magnifique. Magnifique.
qu'on le pose sur nos doigts, autour du cou. On s'enchaîne, on se met la laisse. Tout ça, c'est fini. C'est fini, c'est fini. Donc, ce tirage, il est pour ce portail du 21-21, nouveau code énergétique, nouvelle structure du système immunitaire, nouvelle manière qui, ne vous inquiétez pas, personne ne loupera quoi que ce soit. Nouvelle manière de se soigner par l'énergie, à travers l'énergie. Parce que l'énergie, c'est qui a créé tous ces plantes, tous ces remèdes. Ce sont des codes énergétiques. Chaque plante a un code spécifique. Dans notre ADN, on dit code génétique. Nous y trouvons le code énergétique. Beaucoup de maladies trouveront leur remède sans passer par l'introduction dans notre bouche des et certains remèdes qui ont été concoctés pour nous donner cette illusion que tout est résolu, mais ce n'est qu'une prolongation de ce dont nous souffrons. C'est-à-dire, quelqu'un est malade, d'accord? Il va chez le médecin. Je ne dis pas, prenez vos médicaments, prenez ce que vous voulez. Moi, je vous parle de ce qui est maintenant à notre portée de manière concrète. Dans quelques jours, je veux dire, on a attendu tant de temps. Attendons ce nouveau code énergétique. Restons cool. Laissons ces codes énergétiques nous traverser, s'encoder en nous, s'intégrer en nous. Puis, vous n'aurez plus besoin, de qui que ce soit, de faire quoi que ce soit, puisque votre intuition va vous diriger vers tel ou tel remède. Mais ça sera moins de l'acharnement, on va dire. Voilà. Imaginons quelqu'un qui est malade. Il a une maladie inflammatoire. Nous mangeons trop. Beaucoup des maladies inflammatoires, où il y a inflammation, il y a de l'acidité. Le corps, il est acide. Bon. Avec les nouveaux codes énergétiques, votre propre corps va piloter votre alimentation, ce que vous mettez dans votre bouche, mais de manière tout à fait naturelle. C'est un, quand je vous ai dit que l'ancienne matrice, elle a été, mais éclatée, mais pas comme dans le film là, Coco. Rappelez du film Coco, je vais vous éclater. Non, on a éclaté, le collectif a éclaté la matrice. Parce que ce que certains êtres n'ont pas conscience, c'est que depuis 2012, beaucoup des êtres, beaucoup des piliers des lumières ont œuvré pour maintenir cette lumière au sacrifice de leur vie, de leur santé, de leur ils ont été maltraités, ils ont été malmenés, ils ont été enfermés parce qu'on a dit non, c'est de la folie. C'est fini tout ça. Au même titre qu'ils ont été maltraités
ou enfermés parce que ce qu'ils disaient, ce qu'ils essayaient de nous transmettre, avec ce nouveau portail, les mêmes messages cette fois-ci vont passer. Mais elles vont passer magnifiquement, avec une compréhension du collectif juste majestueuse. Majestueuse. Il y a de la casse. Il y a beaucoup de casse. Et c'est normal. Je m'adresse à un être, là, parmi des centaines. Tu achètes une maison. Et beaucoup des êtres achètent des maisons qui sont en mauvais état parce qu'ils ont cette perspective. C'est mieux que j'achète une petite ruine, comme ça je la fais, voilà. Eh bien, il faut détruire. Il faut abattre certains murs, il faut abattre, voilà. Il faut enlever toute la tuyauterie, refaire l'électricité, qu'il y ait électricité, nouvelle énergie. C'est pas pour rien que je vous donne cet exemple. On va aller chercher, j'ai beaucoup parlé ces minutes, mais ben, en fait c'est les messages, j'ai pas besoin des cartes, c'est les messages. Mais où je souhaite creuser dans la mine de mon puits, mon propre puits, c'est quel genre de casse. C'est normal. Et non, c'est normal qu'on me fasse. On les a. Et particulièrement celle-là, regardez dans quel état elle est. Je vais aller direct. Le diable. Quatre des coupes. Neuf des bâtons. Deux des coupes. La force. Il m'en manque là. Pour ceux qui n'ont pas envie d'entendre tout ça, éteignez. Vous éteignez, vous regardez vos conneries, ce qui vous divertit le mieux. Huit des coupes. J'ai un boulot, mais je vais le boucler. C'est déjà fait. Là, on dirait une folle. Quelqu'un me voit et il faut l'amener au pôle psychiatrique. Et le problème, c'est que je vais rendre les psychiatres, c'est eux qui finiront sous cachet. Eh oui, je suis perché. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a des êtres comme ça. Il faut les accepter. Il faut les aimer, il faut être bienveillant. Waouh, bienveillant. Ça a été comme on dirait un oiseau qui. Oh, le page des bâtons dans le conseil. Bien. Le diable, l'ancienne matrice.
Et je dis toujours, l'énergie que je capte là, voilà qui nous a, on va dire, qui a gouverné sur nous, prison à ciel ouvert. Merci, au revoir. Tout est là. Le 4 des coupes, qui va avec le diable, qu'il est sorti dans le... C'est dingue quand même, c'est dingue, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Le 4 des coupes, c'est détournement, voilà, c'est détournement qui n'a pas pu se faire. Vous allez voir pourquoi. Parce que le collectif, il était allé au coup. Il a été pas au combat, mais il est allé faire barrage à cette énergie. Détournement de notre attention vers l'illusion, vers cette coupe. Voilà, le collectif, il a compris. Il est allé faire barrage à cette énergie-là. Et il revient, il se pose, il dépose les armes. Et là, il s'est dit, le collectif dit, voyez, il n'y a même pas besoin ici, il se dit, ah, c'est bon de se sentir vivant. Le 2 des coupes, l'amour règne au milieu du chaos, avec la force. Force du cœur. Là, certains êtres, hein, dans vos tarologues, là, vos médiums, vos cartomanciens, là, eux, je connais très bien, là, ce que ça veut dire le 2 des coupes, c'est une union des. Si je dois faire un tirage personnel, là, c'est une rencontre, un contrat d'âme qui. Maintenant, c'est fini tout ça. Il va falloir que vous mettez à jour tous. Même ça. Ça. Bref. L'amour. Par la force de l'amour. Par la force de l'amour. Le 8 des coupes. Si dans plusieurs tirages, là, dans cette énergie-là, on quitte volontiers, on quitte volontiers cette cage qui n'a jamais été fermée à clé. Nous sommes enfermés. Nous sommes enfermés parce que la vie nous a proposé, elle nous a, comme le serpent, il nous a encerclés et doucement, doucement, on nous a dirigés vers cette cage et puis on s'est dit ce qu'on appelle le confort quotidien. Voilà la cage, la toxicité. La toxicité. Non, là. La toxicité. Mais le collectif, consciemment ou inconsciemment, il est allé au charbon. Comment je vais aller au charbon là, toute la matinée, pour que tout soit prêt? Amour, les couples d'amour sont là. Cette énergie, ces codes énergétiques d'amour qui vont inonder la terre, ça va nous traverser. Ouh, j'ai les frissons. Oh, ouh, j'ai les frissons. Et vous voyez, là, le premier geste, c'est de toucher mon chakra du cœur. Elle se dilate là, à cet instant, parce qu'elles sont là, ces codes. Ils sont là, pardon.
Nous avons eu la force de s'éloigner. Le diable a dit, non, reste là, reste là. Le collectif a dit, va te faire un œuf bien cuit. Nous, on va aller vers l'amour avec notre force de cœur. D'accord? Et on va aller chercher un petit peu, on va se percher là. Il y a une véritable connexion avec le Créateur. Maintenant, tout le monde a compris. Tout le monde a compris. Tout le collectif a compris qu'il n'y a qu'une seule relation. Intime avec l'invisible. Vous et le Créateur. Point. Et voilà le soleil. Le soleil, c'est... Ce portail, il est déjà pour moi, puisque je suis dans cette lignée de temps. Je suis calée sur ces énergies. C'est une réussite. Oh, c'est drôle. Regardez. Il faut que je vous montre ça. Sur le 4 des coupes. On va la laisser nous montrer. Est-ce que vous la voyez? Ah, elle est partie. Ah non! Ah! Elle est tombée sur le 2 des coupes. Il faut que vous voyez ça quand même. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Elle ne bouge pas. Depuis tout à l'heure, là, je la mets comme ça. Ah, elle est tombée. Donc le soleil, ce portail s'étend. Ne vous mettez aucune pression. Tout a été mis en place, tout a été orchestré par le Créateur d'une manière parfaite. C'est... J'ai plus les mots, j'ai plus les mots, j'aimerais tant, tant vous. Il y a le page de bâton. Je ressens une énergie. Vous voyez, son regard très espiègle. Hier, j'ai fait une photo que j'ai mise dans la rubrique communauté. C'est dingue, je ne savais pas. Comment je pouvais le savoir? Vous regardez son côté espiègle. C'est la même photo que j'ai prise hier, en fait, qu'on m'a prise à mon insu dans un instant comme ça. J'étais en train de caresser ces saules pleureurs et je me suis amusée, je me suis imaginée que c'était comme des rideaux, mais c'était doux. J'avais envie de sentir ça sur mon visage, sur ma peau. Et là, on m'a pris cette photo et voilà son côté espiègle. Et de manière intuitive, j'ai mis, je suis l'adulte et je suis l'enfant. Voilà l'énergie de cette page de bâton. Je suis l'adulte et je suis l'enfant. On va retourner à la légèreté, on a été trop longtemps trop adulte, trop dans la responsabilité et le côté l'enfant, il a été très peu amené en balade, montré, être montré,
Donc là, il y a ce page des. Et même des adultes, hein, que ce soit à 60, 70 ans, vous allez ressentir une énergie très, très. Vous savez, envie. Vous allez avoir envie de jouer avec la vie, mais de manière innocente. Pas jouer, tiens, je vais me mettre en compétition avec la vie. Non, c'est pas cette énergie. C'est, oui, j'ai 60 ans, 70 ans, je vois une flaque d'eau, j'y vais, je saute. Et alors, c'est parce que là, c'est un enfant éternel. Ne dit-on pas les enfants du Créateur. Nous sommes des enfants du Créateur. Et puis, nous, c'est cette matrice qui nous a poussé doucement, doucement, depuis des décennies, voire centaines de. Moi, je resterai sur les 100 dernières années. Pas plus, j'irai pas plus parce que ça serait trop, trop, trop lourd pour moi et j'ai encore à travailler. On nous a dirigés doucement, doucement à se séparer de notre joie, de notre légèreté, de faire de nous et de faire de nous des esclaves. Un adulte, c'est quoi? Je vous pose la question. Ça veut dire quoi un adulte? Payer ses factures? Même un gosse aujourd'hui de 12 ans, il prend sa carte et il règle une facture. Ça fait de lui un adulte? Non. C'est de l'obéissance, là. Ça, c'est de l'obéissance. Un enfant, il n'obéit pas. Il est. Il fait. Ce que nous avons considéré comme caprice, comme hyperactif. Nos enfants, vous n'avez pas remarqué qu'on ne supporte plus de nos propres enfants, leurs agitations, leur vie, leur propre vie, le feu de la vie, le feu, le feu. Et on a utilisé des moyens de les canaliser par la télé, par des jeux, par ci, par là. Et puis, mais il revient cet enfant, que ce soit dans l'adulte, que ce soit dans l'enfant lui-même. Point à la ligne. Destruction de l'ancien monde. Là, on va aller enterrer. C'est l'enterrement. Oh, on va pas se mettre en deuil pour ça. Qu'ils aillent se faire. Hein? Parce que non seulement prison, hein, à ciel ouvert, mais on nous a fait avaler. Hein? Et pas de belles choses. On nous a fait avaler dans notre esprit que de la toxicité par le corps, par l'esprit, par le cœur, par-ci, par-là. Le collectif. Durant votre sommeil, sachez que vous avez œuvré, vous avez combattu, vous avez pas lâcher. Vous êtes de retour en chair et en os, magnifique, avec l'amour chevillé de partout, dans votre esprit, dans votre corps. Chut, voilà, on enlève les diamants
là, autour du cou, ces bijoux, cette fantaisie, et on se parle des nouveaux bijoux, l'amour. L'amour. L'amour, c'est le plus magnifique. Tu mets à poil un être, s'il est rayonnant, c'est le plus bel être. Il est habillé. Il est habillé. On va parler aussi une autre fois des habits. Le collectif, il a la force. Il a la force maintenant. Il a transcendé des lignes de temps. Hein, lignée des temps très toxique, Dieu mère. Non, pas Dieu. Voilà le soleil. Justement, c'est la fin des dieux. Voilà le soleil. Regardez. Ça tombe magnifiquement bien. Donc, dans sa main, il a le soleil, il y a toutes les planètes, d'accord, qui naviguent autour du soleil et qui maintiennent cet équilibre, hein, cet équilibre entre les forces obscures et les forces hautement évoluées. Et là, le 21-21, nous avons deux planètes, d'accord, qui vont connecté avec le soleil, grand, 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 grande charge. On va être bombardé, mais des énergies magnifiques. Écoutez-moi. Si jusque-là, vous avez célébré Noël à travers l'abondance, cette année, cette fois-ci, je préfère dire, cette fois-ci, vous avez célébré Noël plus à travers l'abondance, à travers l'amour, la force de votre cœur. Avec une connexion magnifique avec le Créateur, avec de la joie. Voilà avec quoi vous allez remplir ce que vous allez mettre sur la table le jour de Noël. De l'amour, de la force, de la connexion avec le Créateur, du soleil, des belles énergies, un nouveau regard neuf. Vous allez mettre aussi sur la table l'enfant, l'innocence, la pureté. C'est un beau menu là. C'est un magnifique menu. On va demander une dernière énergie qui... Ta carte, une dernière énergie, une dernière information pour clôturer ce portail magnifique. Vous imaginez? On met sur la table l'amour, la force, la connexion avec le divin. Même ces visions. Des parents, des grands-parents, avec leurs petits-enfants ou leurs enfants sur les genoux et qui vont recommencer à leur raconter des belles histoires. Cette année, votre table de Noël, elle sera différente de ce que vous avez connu et ça sera le premier pas vers ce nouveau monde
c'est le premier acte qui se joue, voilà. Je cherchais depuis tout à l'heure. C'est le premier acte que le collectif va jouer et va ancrer pour les générations futures. Là, il y a l'adulte et l'enfant. On va parler beaucoup d'amour, beaucoup de force. Les uns vont soutenir les autres, vont dire « Tiens bon, ça va aller. » Je ressens beaucoup cette énergie d'élan, des soutiens, que ce soit inconscient ou conscient. Des êtres, ou même des inconnus vont vous dire des mots comme ça. Ne soyez pas surpris, n'allez pas dans ce jugement immédiat. Mais pourquoi il me dit ça? Mais pourquoi? Prenez-le comme un message, parce que il y a la connexion avec le Créateur. C'est le Créateur qui s'exprime pour la première fois de manière directe avec vous, avec chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous. On n'a plus besoin de passer par des intermédiaires. C'est fini tout ça. C'est fini. Je le vis. Ouh! Je le vis. Même mes cheveux, ils sont... Elles le vivent. Allez, une dernière énergie qui... Qu'est-ce qu'on a? Je vais demander qu'est-ce qu'on a en dessert pour Noël. Là, on a dressé une belle table. Là, on a le menu magnifique. Voilà. On va demander la petite douceur. Hein? J'ai les larmes déjà. Voilà, notre dessert, victoire. Victoire sur cette prison mentale, sur cette emprise. Victoire. Victoire. Et là, je ne peux pas ne pas connecter avec un enfant qui m'est venu avec sa grand-mère. Et lorsque j'ai connecté directement avec cet enfant, j'ai dit comme ça, de manière très spontanée, j'ai dit c'est un enfant cristal, prenez soin d'elle. Et j'ai laissé la grand-mère parce qu'elle ne comprenait pas à cet instant. Et je me suis adressée, j'ai entamé une conversation avec cet enfant. Vous savez comment elle s'appelle? Et sa grand-mère m'a fait parvenir des fleurs toutes blanches il y a une semaine. J'ai dit Victoire, et cet enfant s'appelle Victoire. Le nouveau monde, il est là. Les nouveaux remèdes sont là. Ils ne sont plus de manière orale, tout ça. Nous allons nous soigner de manière énergétique. Non, le corps, les corps du collectif vont intégrer à partir du 21 décembre des codes énergétiques puissants et que vous allez porter en vous et que vous allez transmettre
par, à travers votre ADN à la future génération. Et qu'est-ce qu'il y a dans ces codes de l'amour, de la force, de la connexion avec le Créateur avec une facilité et sans passer par des heures de méditation. C'est comme une des capacités psychiques qui il suffit d'une pensée, bam. Joie, lumière de partout, lumière à tous les étages, à tous les étages. Tout est régénéré, corps, âme, esprit, tout est régénéré. L'adulte et l'enfant qui, le collectif, doucement, va intégrer que les deux sont raisonnables et sont utiles quand qu'on leur permet de cohabiter ensemble. Puis nous avons la victoire. C'est... Je ne sais pas si je vais pouvoir travailler, mais je vais utiliser l'énergie aujourd'hui de la force. Bon portail à vous tous. Je souhaite de tout mon cœur que j'ai pu m'exprimer pas de manière correcte parce qu'il n'y a pas d'erreur. Il n'y a rien d'erroné. Tout est à sa juste place. Juste, mon souhait le plus cher, c'est d'avoir transmis ces faits, tous ces messages pour que vous ne soyez pas déboussolés. Oui, il y aura de la casse, mais c'est une bonne casse. Et puis, de grâce, restez loin de tous ces êtres qui vous vous annoncent que des événements très angoissants. Restez loin, du moins durant ce portail de 21-21, connectez-vous qu'avec des êtres que vous aimez, que vous chérissez, à des choses, faites des choses qui vous plaisent à cet instant parce que ça sera le top départ de votre nouvelle vie. Il y aura des êtres qui sont déjà restés dans l'ancien monde. Mais on le voit encore de manière physique là. Chaque âme a choisi, en venant ici, de participer à cette grande, ce grand basculement de ce nouveau monde dont on a tellement parlé, mais de manière... de toutes les manières possibles, on a creusé tous les angles, on a regardé par toutes les perspectives, avec toutes les types de lunettes, des êtres sont allés profondément et tout était devant nos yeux. Tout était devant nos yeux. C'était d'une simplicité. Laisser le Créateur faire, voilà. On arrête le jugement envers soi surtout, parce que c'est pour ça qu'il est
autant présent dans l'extérieur. Parce que la puissance de ce que nous pensons de nous-mêmes, elle se manifeste dans le monde extérieur. Bon portail, intégrer ce nouveau code énergétique. Il y aura beaucoup de rajeunissement naturel de vos corps, de votre apparence. Et lâchez un petit peu. Voilà, parez-vous. Pas de cette pierre, parce que pour moi c'est une pierre, même si il finira en diamant. Pour moi c'est une pierre. Parez-vous de ces magnifiques bijoux, de l'amour, de la force, de l'enfant adulte avec son innocence, sa joie, ce côté espiègle. D'ailleurs, c'est grâce à une abonnée qui m'a mis les yeux sur cette... Je n'avais pas vu ce côté espiègle. On a besoin. Ouais, soyez des garnements. Garnements. Soyons des garnements. Parce que nous avons, durant tant de décennies, on a été dans ce sérieux que des responsabilités. Il est temps maintenant. Jouons maintenant, enfin, le jeu de la vie. C'était censé être comme ça et il en sera ainsi. Il en sera ainsi. Il faut que je travaille. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais aller travailler. Et bon matin, bonne semaine et bon téléchargement des nouveaux codes énergétiques.